Agent double lettre, dépêchez-vous. Il faut absolument savoir s'il veut juste faire du tourisme ou détruire la planète. Il ne parle pas français. Oh, il a un traducteur. Je huis un garon marien. Mais enfin, mais ça veut rien dire. Dr. Oiro. Mais c'est du charabia. Oh, il manque des lettres. Avec ce S, ça donnerait désert. Oh, il veut faire de notre belle planète un désert, je le savais. Dessert au sirop? Oh, bon, on a failli déclencher une catastrophe pour une coquille. Un S ou deux S, ce n'est pas pareil. Cela ne fait pas le même mot. En fait, il veut juste une sucrerie. Je comprends. Ce traducteur a quelques problèmes avec le son S. Sirop avec un S et dessert avec deux S, car il en faut deux pour faire le son S entre deux voyelles. Oui. Un pincement de cygne? Drôle d'idée. Mais on a dit deux S entre deux voyelles, voyons. Poisson dans l'océan? On aurait dû prévoir un sous-marin. Oui, devant O, A ou U, pour faire le son S, on met une cédille au C, comme dans hameçon. Vous faites des progrès. Mais revenons à notre martien. Il veut une balançoire au soleil. Là, ça se complique. Parfois, pour obtenir le son S devant E, E accent grave, E accent circonflexe, I ou Y, on écrit SC. Sauter dans une piscine? Et voilà! Descendre en ascenseur? C'est quand même un comble qu'un martien vous apprenne le français. Merci de m'avoir fait tester 6. Oh, ça s'écrit avec un X et pourtant ça fait le son S. Un cas particulier pour les nombres. 6 des expériences. Ouh, attention, je préfère vous prévenir. Sensationnel s'écrit avec un T. Comme souvent devant I-O-N ou I-E-N, comme dans natation ou martien. Oh, notre ami est juste venu tester 6 des expériences les plus sensationnelles du cosmos. Bah, tout va bien, c'est un touriste.